Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On m'a beaucoup demandé, Linda, les accessoires pour gâteaux, les moules, etc. Donc je vous ai ramené dans cette boutique, elle est petite, hein. Elle est petite, franchement, mais il y a pas mal de choses très intéressantes. Donc c'est à Saint-Denis, l'adresse c'est 15 place Jean Jaurès, 93 200 Saint-Denis. Voilà, 93 200 Saint-Denis. C'est juste en face de la caisse d'épargne. Là, c'est la place du marché. Normalement, il y a plein de monde ici. Là, c'est la place, la grande place du marché. Là-bas, c'est la mairie. On a aussi la caisse d'épargne juste ici en face. Donc, c'est à côté. Voilà. Donc, là-bas, tout au fond, on a CA, le magasin CA. Et vous venez directement, parce qu'il y a du mal, il y a des gens qui ont du mal à venir, en fait, à trouver. C'est très facile. Voilà, c'est très, très facile. Voilà la devanture. Donc je vous emmène dans l'univers des gâteaux, des moules, moules en silicone, caissettes. J'espère que ça va vous plaire. C'est les vlogs de Linda, je m'appelle Linda. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Restez connectés, à tout de suite. On va commencer tout de suite. Donc il a ramené pas mal de décorations pour l'Aïd, notamment des assiettes en carton. Là on a je pense 6 pièces ou 7. Je vais garder derrière, c'est pas noté. En tout cas c'est 1,80€. Doré ou argenté. On a aussi des gobelets 1,80€. On a 6 pièces, je pense que les assiettes aussi. On a 6 gobelets 1,80€. Des petites serviettes en papier 1,80€ également. Des guirlandes dorées argentées. Voilà, et comme au bar. Et on a aussi des petits piques en bois avec et comme au bar pour piquer sur les gâteaux. Argenté, pailleté ou doré. On a aussi, je vais vous donner le prix, vous inquiétez pas. On a aussi, donc ça c'est pareil pour les gâteaux. Donc argenté ou doré. Voilà, argenté. Ça c'est 2 euros. 2,95. 1,80. Là c'est 4 pièces. Alors juste pour info, il a ramené aussi des théières. Voilà. Ils sont sublimes. Donc là, c'est doré ou argenté. Hein. Un mélange. C'est 24,95 pour le grand avec le pompon. Voilà. On a aussi le moyen et le petit. Le moyen, c'est 20,95. Et le petit, il est juste ici. Il est très, très joli. J'aime bien un mélange comme ça. C'est 18,95 €. Là, on a un joli ensemble soupière. Elle est belle, la soupière. Elle est très, très jolie. On a des assiettes, des bols, louches et soupières. Et ici, 29,95. Allez, je vous emmène, comme promis, côté moule. Pour les gâteaux, en fait. On a... Ça, c'est une nouveauté, ça. C'est pour obtenir ça en fait. Comme ça, je vais montrer. Ça c'est joli. On a ça aussi en nouveauté. Les cornes de gazelle. On a ce modèle. On a ça. Il y a ça aussi. Ils ont énormément de modèles en fait. C'est très très sympa. Ça je l'ai moi. On a ça, ça. J'essaie de vous montrer maximum de choses. Ah, ça c'est beau. J'aime bien la forme de cœur. Ils ont pas mal de caissettes. Les caissettes, ce qui est bien chez eux, c'est qu'ils ont énormément de tailles. Même les plus gros en fait. Et ça c'est vraiment top. Pour les par exemple, les éclairs au chocolat. On a aussi des grands modèles comme ça pour les muffins. Ça c'est pour chez Bekia. 2,50. Voilà les moules en silicone. Ils ont ça aussi pour faire des... vous savez, vous mettez votre chocolat fondu, vous laissez durcir. Et ensuite, quand vous faites un sablé simple, vous posez ça par-dessus. Ça va vous faire un petit déco au chocolat. Chocolat blanc, vous pouvez chocolat noir, chocolat au lait. Ça, c'est des graines de café pour décorer les gâteaux. Là, c'est des, cette forme-là. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. Je peux pas tout vous montrer, c'est énorme. C'est énorme. Il y a même en forme de citron.
Attendez, je vais essayer de sortir le... On a ça, la bague. Quartier d'Orange. Ça, on l'a déjà vu. Voilà. On a aussi... Là, c'est un petit cheval. Peut-être pour faire des gâteaux à bébé shower. On a des tétines ici. Des tétines. Ah, là, le citron. Voilà le citron. Etc. Ça, c'est des moules pour faire le mahmoul. C'est un gâteau, en fait, c'est une pâte que vous allez mettre à l'intérieur. Vous allez mettre une farce, vous fermez avec une deuxième couche de pâte, vous vous appuyez bien, ensuite vous frappez sur la table comme ça. Vous allez obtenir un gâteau avec une jolie forme et à l'intérieur c'est farci. C'est délicieux. Il y a plusieurs modèles. Il y a ça aussi, comme ça. Il y a aussi ceux-là, ça c'est pour faire travailler la pâte à sucre en fait. Pour faire des layer cakes et des gâteaux design 2,80€. Et ça aussi, les coupe-pâtes, ça c'est bien ça. Il y a trois pièces. Et ça. Pour faire le juza. 2€. Ça c'est pour lisser ces spatules, pour lisser la pâte à sucre. Voilà, c'est comme ça. Je vous montre. Voilà, c'est les spatules pour lisser la pâte à sucre. Ah, ça, c'est génial. Vous savez ce qu'on peut faire avec ça? C'est tellement vieux, ça. C'était le temps de ma grand-mère, en fait. Elle faisait une pâte comme une pâte à crêpe. Voilà, la même chose, une pâte à crêpe. Elle va plonger... elle va mettre sa poêle avec de l'huile. Elle va plonger ça sur l'huile. Non, même pas. Si. Elle va mettre ça sur la poêle. Si je me rappelle bien, c'est ça, oui. Elle met ça sur la poêle, l'huile chaude. Elle laisse un petit peu, elle laisse bien chauffer dans l'huile, et ensuite elle prend, elle le met, elle le plonge sur la pâte, mais pas entièrement, faut pas que ça dépasse le trait là. Ensuite elle le plonge directement sur la poêle et elle obtient des beignets croustillants, et c'est franchement une tuerie. Ça c'est vraiment génial. Regardez, on a plusieurs formes en plus, les anciennes connaissent en plus. Alors on a ça aussi. C'est des poches de 95. Ça c'est pour faire le juza et tout. Là c'est pour couper la pâte. Voilà, tout simplement, et ça fait des zigzags sur la pâte. Ça fait des jolis bords. 2,50€. On a aussi ça pour faire, vous savez, chez Bekia plus facilement, couper des bandes aussi. Et ça, c'est spécial pour la Chabekia. C'est quand vous allez faire votre pâte, vous ouvrez votre pâte, quand vous allez couper avec ça, vous allez obtenir des carrés avec des comment on appelle ça, des séparations. Donc vous allez voir directement la forme de chez Bekia. C'est vraiment génial. Je vais vous montrer. Regardez. Pour plus d'infos, vous ouvrez votre pâte et vous faites avec le rouleau et vous allez obtenir la chebekia. Et en plus il vous montre comment faire plusieurs formes ici derrière la boîte. 6,80€, donc il est vendu dans une boîte hein. Alors on a aussi ça pour faire des sortes de glace. Alors comment on peut utiliser ça? Donc vous allez prendre une génoise ou bien un cake acheté dans le commerce. Vous écrasez avec votre main, vous rajoutez ou de la crème, vous savez, la mascarpone, ou bien Nutella, ce que vous voulez. Vous formez une pâte, vous allez mettre à l'intérieur, vous aplatissez bien, et ensuite vous allez prendre les bâtonnets en bois, vous allez les rentrer bien à l'intérieur, et ensuite vous laissez au congélateur un petit peu.
vous retirez et vous plongez dans le chocolat blanc, chocolat noir, ce que vous voulez. Vous vous mettez dans une sur une plaque et ensuite vous garnissez avec des perles, des paillettes, pas mal de choses. Voilà, c'est super joli et c'est très tendance en ce moment. 2,95€. Donc là, je vois qu'une seule forme, mais sachez qu'il y a plusieurs formes normalement. Mais pas ici en tout cas. On a aussi les emporte-pièces, hein, bien sûr. On a aussi ça pour faire des brages. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une spécialité algérienne, le brage avec de la pâte de date. C'est délicieux. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. C'est une spécialité qu'on fait pendant le printemps arrive en fait. À l'arrivée du printemps, on fait ce gâteau. C'est très très bon. Voilà, on a ça aussi pour faire le maqroud. C'est assez fin. Sinon, il y a plusieurs modèles. On a ça à 2,50€, mais on a énormément de choix. Là, c'est un modèle bombé. Vous allez obtenir des maqroud bombés. Plusieurs motifs. Hein. 2,95€. On voit ici les caissettes ici chez lui. Il y a le choix. Voilà, il y a le choix ici. Argenté doré, en plusieurs couleurs. Les emporte-pièces ici. Là, des moules en voiture, voilà. En plusieurs formes. Hein. Papillon, cœur, étoile. Là, je vous laisse voir un petit peu. Voilà, regardez ça. Eh oui, il faut fouiller. Hein. Des petites pinces. En plusieurs formes. On a cette pince-là. Voilà, je vous la montre. On a aussi celle-ci et la classique. On a aussi donc celle-ci, etc. Il y a aussi des petites pinces comme ça, ça c'est une nouveauté. Il y a deux mots formes en fait, celle-ci, celle-ci. C'est pour décorer le gâteau. Voilà. On a ici des petites, ça c'est un produit très attendu. Moi j'en ai déjà pris la dernière fois, je vous ai montré dans mon hall. Là il y a des petites nouveautés, hein. Je vois qu'il y a des nouveautés, c'est trop beau. On a argenté, doré, blanc, rose, il y a aussi du doré. Regardez, il y a des feuilles comme ça. Je vais vous montrer comment l'utiliser, vous inquiétez pas. Ça. Il y a aussi de l'argenté. En plus, quand j'ai fait mon haut, je vous ai montré comment l'utiliser. Vous prenez, il y a plusieurs feuilles en fait à l'intérieur. On a 50 pièces, 50 feuilles comme ça, c'est une sorte d'organza. C'est très fin, transparent, mais très, très joli. Alors vous prenez une feuille, on a 50 pièces, vous la mettez à l'intérieur d'une caissette. Une caissette, comme ça. Vous prenez une caissette, vous mettez à l'intérieur cette feuille. Et à l'intérieur de cette feuille, vous mettez votre gâteau. Et ça fait très très joli, très présentable. On a aussi ça disponible. Et ça, j'ai vu l'autre jour une vidéo sur les réseaux. En fait, la dame, elle a mis la pâte et elle a posé ça sur la poêle avec de l'huile en fait. Elle a posé ça et ensuite le gâteau a cuit en dessous. Ça s'est décollé, elle l'a retourné et ça fait des donuts. J'étais choquée, franchement. En tout cas, ils sont vendus ici. On a des petits moules ici. Hop, je vais vous montrer. C'est des vraiment mini-mini. Hein. Sinon, il y a des plus grands en métal. Barquettes ou rondes. Rondes comme ça. Il y a des caissettes comme ça qui sont sympas. Là, c'est pour cuire les cupcakes. C'est assez dur. Hein. Voilà. C'est pas la même chose que ceux-là, en fait. Là, c'est du papier. Là, c'est un peu cartonné. Il y a plusieurs... comme ça, couleur, coloré, avec des fleurs, argenté, doré. Voilà, pas mal de choix. Grand, petit. Voilà. Des pétales de rose, blanc ou rose. Voilà, ici. On a des plateaux comme ça, en carton. Énormément de tailles. On a carré, rectangulaire, ovale, petit ou grand. Là, c'est les petits modèles. Là, c'est les grands modèles. Avec poignée ou pas. Voilà, pour présenter des gâteaux, c'est super joli. Ça nous évite de laver la vaisselle après. Voilà, pour présenter ces gâteaux là-dedans, et c'est très joli. Regardez,
Il y a du rose, du rose gold, rose fuchsia, là c'est du doré, de l'argenté, du bleu clair. Regardez, là c'est du bleu. Il y a une des caissettes comme ça, des couleurs assez flashy. Une couleur avec motif, fleur. Il y a plusieurs tailles en fait et plusieurs formes, même en forme de cœur. Voilà. Et pour finir la vidéo, il y a aussi des arômes, des colorants alimentaires. Donc bien sûr, toujours vérifier la date. Colorants alimentaires, arômes, il y a aussi nécage, je ne sais pas comment on appelle ça, le goût, en fait, pour obtenir le goût du citron. Voilà. C'est 2,50€. 2,50€, petite boîte ici avec des perles argentées dorées. Il y a plusieurs tailles. Ici, on a des déco-gels, sorte de nappage caramel, citron, kiwi, chocolat, cerise. Pour napper les gâteaux, 3,95€. Toujours vérifier la date, bien sûr. Là, c'est le nappage à 4,50€ caramel. On a citron. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi du flan. On a aussi Noala qui est disponible. Toujours vérifier la date, surtout pour les aliments. 1€ la boîte de flan. On a ici à la vanille, chocolat, fraise et caramel. On a cette marque-là, idéale. Alors, flan, on a ici caramel, vanille, banane, chocolat, fraise, chocolat noisette. Ça doit être bon, ça. 1,50€ la boîte de flan. On a 4 flans là, 4 à l'intérieur, je pense, ouais. Toujours avec les arômes, les... ceux-là, moi je les ai à la maison, je les ai achetés en Algérie. En fait, c'est des colorants très puissants, très bien. Absolument rien à dire. Je les ai à la maison. La même chose. Il y a du bleu, il y a aussi du rose, il y a aussi du rouge, du noir, voilà, du vert. Regardez. Ceux-là, ils sont très bien, je vous les conseille. Il y a même du noir. Il y a marron aussi. Voilà le marron. Bleu, rouge, rose. Rose, etc. Ils sont à 2,95€. Il y a aussi le vanille ou la levure noire hein, disponible. Alors, j'ai pas le prix. Voilà, le petit tour est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi en commentaire votre avis. Si vous avez aimé ou pas. Est-ce que vous souhaitez voir plus de vidéos comme ça. Prenez bien soin de vous. Je vous dis bon week-end et à tout à l'heure.